s'agit d'une histoire donc de la manière dont la France coloniale s'est organisée et a organisé les religions dans ses colonies arabes et berbères. C'est-à-dire d'abord l'aventure, si je puis dire, a commencé en Égypte à l'époque de Bonaparte, l'expédition d'Égypte. La France est restée présente durant tout le 19e siècle, puis ensuite en Algérie. De l'Algérie, c'est vraiment la matrice des politiques coloniales françaises et notamment des politiques religieuses. De là, ça s'étend vers la Tunisie, puis vers le Maroc. Et enfin, il y a des extensions dans l'entre-deux-guerres très importantes au Moyen-Orient, notamment c'est une histoire là aussi très ancienne à cause des chrétiens d'Orient et de la protection traditionnelle que la France leur apporte. Donc le Liban, que la France va construire, et la Syrie. Voilà, donc c'est dans ces six pays, je crois qu'il y a une forme d'unité, parce qu'il y a une circulation des hommes, il y a une circulation des pratiques, des idéologies. Les missionnaires, les militaires, les administrateurs coloniaux circulent et ont des pratiques qui nous ramènent évidemment à des questions très actuelles. Parce qu'au fond, on a l'impression, à écouter nos politiques, que la question de l'islam est nouvelle en France, alors que depuis 1848, c'est la deuxième religion française, depuis que les Algériens sont devenus français, que l'Algérie a été intégrée au territoire français. Ça a duré jusqu'à la guerre d'Algérie. Donc c'est une très longue période pendant laquelle la France, d'abord la monarchie, puis l'Empire et les républiques, notamment la Troisième République, ont appris à agir, à procéder avec l'islam. Alors il y a tout un tas de pratiques, il y a tout un tas de rencontres, il y a des très grandes figures, il y a des penseurs chrétiens qui ont beaucoup réfléchi à l'islam, notamment Charles de Foucault. Les congrégations religieuses qui au départ avaient une politique plutôt missionnaire, notamment les Pères Blancs en Algérie, puis qui vont évoluer progressivement vers une politique de vie en commun sans vouloir convertir. Il y a la République elle-même qui a su, qui au moment où elle menait des politiques très strictes en France vis-à-vis du catholicisme avec la politique de laïcité et l'expulsion des congrégations, récupère ces mêmes congrégations en Égypte et dans certains pays où elles vont servir d'appui à la République pour développer la francophonie à travers les grands lycées jésuites et autres du Caire ou de Beyrouth, l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Donc il y a vraiment un ensemble, et dans cet ensemble, c'est pas seulement une question coloniale, c'est-à-dire qu'il y a une réaction des sociétés civiles, alors la réaction par exemple des communautés juives qui sont profondément transformées par cette époque, et pas seulement en Algérie elles vont intégrer la République française et elles seront finalement dénationalisées de l'Algérie à la fin de la période coloniale, on a un phénomène identique en Égypte, et puis l'islam aussi est profondément transformé, il change de cadre, il change de milieu, il se retrouve perdu en quelque sorte puisqu'il n'y a plus la tutelle du sultan d'Istanbul, et les oulémas au Caire vont inventer ce qui va devenir le salafisme et qui est la matrice idéologique d'abord des frères musulmans et de l'islam politique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est vraiment une période où tout cela se noue et on se rend compte que cette interaction entre la République et les salafistes, elle donne des choses intéressantes. Par exemple que les fondateurs du salafisme à Paris au 19e siècle, ils avaient des relations avec les grands intellectuels français comme Renan, et en Algérie, pour une autre anecdote, on se rend compte que dans les années 40, les frères musulmans qu'on appelait à l'époque les oulémas musulmans d'Algérie, ils réclamaient la laïcité pour qu'elle soit appliquée à l'islam en Algérie, alors que la République leur refusait. C'est-à-dire on est à front renversé par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc je pense que sans balayer tout le travail, voilà en gros l'esprit dans lequel ça a été réalisé. Et c'est une histoire qui n'est pas vraiment une histoire religieuse, c'est une histoire plutôt des interactions entre la politique et le religieux en situation coloniale. Et cette histoire, elle n'est pas, comment dirais-je, elle avait déjà été faite, mais de manière extrêmement dispersée, extrêmement disparate. Et là, donc, c'est un livre de synthèse qui essaye de voir quelle unité et quelle cohérence il y avait dans ces politiques religieuses à l'époque coloniale, qu'on a beaucoup oubliées, mais qu'on ferait bien de se remémorer, parce qu'aujourd'hui, finalement, des questions qui sont posées à la France et à la République trouvent, non pas des réponses, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'échos par rapport à ce qui s'est passé durant ce premier 20e siècle.